2021-02-27-PRG, CNRD, SGG, portant changement de dénomination d'un édifice public. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète. Article 1er, l'aéroport international Conakry-Bessia est rebaptisé Aéroport international Ahmed Sékou Touré. Article 2, le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre des Affaires étrangères de la Coopération internationale de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application du présent décret. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à la direction de la Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré dans les fonctions ci-après. 1. Directeur général, M. Namori Camara, précédemment directeur général de l'APIP, Agence de promotion des investissements privés. 2. Directrice générale adjointe, Madame Fatoumata Diaré Diallo, précédemment directrice commerciale de la SOGEAC, Société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Vu le décret de 2021-0035-PRG-CNRD portant nomination du ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale, décrète. Article 1er. Il est créé au recommandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire un groupement spécial de gendarmerie mobile en abrégé GSGM implanté à Kolabouni, couvrant toute la région administrative de Boké et placé sous l'autorité directe du recommandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Article 2. Les détails d'organisation, d'attribution et de fonction du groupement spécial de gendarmerie mobile feront l'objet d'un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les militaires de la gendarmerie nationale dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. Le lieutenant-colonel Pascal Diemou, matricule 18650G, précédemment commandant adjoint du groupement d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale, est nommé commandant du groupement spécial de gendarmerie mobile de Kolabouni. Le chef d'escadron Dimba Dumbuya, matricule 16711G, précédemment commandant adjoint de la compagnie gendarmerie territoriale de Himbaya, est nommé commandant adjoint du groupement spécial de gendarmerie mobile de Kolabouni. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 16 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya.